coup, c'est bien quand même. En dessous, on est fumé. 100 grammes, oui. 100 grammes de. Vous l'avez vu, faire un café n'a pas toujours été aussi simple qu'aujourd'hui. Nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste et amoureux du café, Éric Duchaussois, torréfacteur de père en fils depuis 1880, pour qu'il nous montre les inventions successives qui ont révolutionné l'art de préparer un café digne de ce nom. Les cafetières ont évolué au fil des inventions, mais certains modes de préparation, même les plus anciens, sont toujours utilisés. Mais alors, comment faisait-on pour faire un café au 19e siècle ou au 20e ? Voici la cafetière à dépression. Son fonctionnement est simple, mais spectaculaire. Elle se compose de trois parties, un réservoir à eau, une lampe à pétrole et un mélangeur. En chauffant, l'eau dégage de la vapeur d'eau. Celle-ci est piégée dans le récipient inférieur. Du coup, la pression monte et chasse l'eau dans le récipient supérieur. Celle-ci se mélange alors au café. Une fois la flamme éteinte, la pression dans le réservoir d'eau redescend et entraîne le café infusé. Il ne reste plus qu'à goûter. Ah, c'est le genre de machine qui redonne le goût au café, ça, c'est extraordinaire. Voici maintenant la cafetière à pression, aussi appelée cafetière à l'italienne. Alors ça, c'est l'ancêtre de toutes les machines expresso qu'on peut voir aujourd'hui. Elle est composée de trois compartiments empilés les uns sur les autres. L'eau, portée à ébullition, est projetée à une pression de 4 bars dans la partie haute, après avoir traversé la mouture pendant 30 secondes. Un parfum un tout petit peu métallique, c'est un peu la machine qui veut ça. Inutile de la présenter, voici la cafetière à filtre qui reste la plus utilisée aujourd'hui dans le monde. Elle fonctionne grâce à un système de filtration inventé en 1908 et n'a cessé d'être modernisé. C'est la machine de nos grands-mères finalement, mise un peu au goût du jour parce qu'elle est électrique, elle est automatique. Et méfiez-vous des idées reçues, cette cafetière donne le café le plus concentré en caféine. Environ 120 mg par litre, c'est trois fois plus que dans un expresso. Et voici notre préférée, la cafetière à piston. Celle qui donne un bon café à tous les coups, pour peu que l'on respecte quelques règles d'une simplicité enfantine. Voici la méthode. Versez le café dans un récipient en verre, ajoutez de l'eau chaude mais pas bouillante sur la mouture et remuez le tout. Le temps d'infusion, entre 3 et 5 minutes, déterminera la force du café que vous souhaitez obtenir. Il ne reste plus qu'à presser le piston pour séparer la boisson du marc. Voilà, le tour est joué. Et nous avons là un champ aromatique très très large. On a une sensation d'équilibre et à la fois d'équilibre et de douceur. Dans le centre de Paris, une petite boutique abrite elle aussi un véritable expert. Le café est une passion transmise par ses ancêtres. Éric Duchaussois se définit comme un trouveur de café. Dans ses tiroirs, il n'y a que des grains d'exception, les plus rares, souvent les plus chers, quand le café noir se prend pour du caviar. Le plus cher, il est là. Et là... Comment il s'appelle celui-là ? Alors ça, c'est le Jamaïque Blue Mountain. Et ça, c'est le café. Donc ça, c'est le café le plus recherché au monde. Il nous vient non pas en sac de jute, comme tous les autres cafés, mais il vient en fût de bois, pour ne pas en perdre un grain. Parce que le prix de ce café, 25 euros pour 250 grammes de café. Sa plus grande fierté vient de Birmanie. Un café qu'il vend quelques euros, mais qui pour lui garde une valeur inestimable. C'est un café tout à fait, enfin, que j'ai découvert. Donc déjà, c'est important parce que je crois que je suis le seul à faire ce café-là dans le monde entier. Et on n'appréhende pas, si vous voulez, le café de la même manière quand on achète à un importateur et quand on va sur place, quand on rencontre les gens, quand on voit comment ils travaillent, comment ils soignent leur caféier, comment ils soignent leur récolte. C'est pas du tout la même approche. Et c'est donc parti pour une nouvelle chasse au trésor. Cette fois, Éric a choisi l'Amérique centrale, car on y cultive des cafés parmi les meilleurs du monde. Houston, Guatemala City et Paris-Houston. Donc 11h50, on part à 43. Ouais, okay. Super. Ouais, bonne journée. Merci beaucoup. La route du café commence par 12 heures d'avion et 7 heures de voiture. La route du café, c'est d'abord un décor.
Voici la chaîne des volcans au nord-ouest du Guatemala. Nous sommes dans la région de Huehuetenango à 2000 mètres d'altitude. Ici, les plantations sont cultivées par les Indiens Mayas. Et s'il faut grimper et grimper encore pour apercevoir les premiers plants de café, c'est parce que les meilleures crues poussent à l'écart des zones d'habitation et des circuits touristiques. Les cueilleurs sont tous des saisonniers, ils viennent des villages voisins. Une cueillette artisanale, sous un soleil à 30 degrés. Le fruit du caféier est une cerise dont le noyau est le grain de café. Seules les cerises bien rouges garantissent un café arrivé à maturité. La cueillette, c'est un travail hyper difficile parce qu'il faut monter dans la montagne. Vous avez vu, les pentes sont assez abruptes. Donc les cueilleurs, il faut qu'ils se fraient un chemin à travers les caféiers. Ils sont sous le soleil toute la journée. Et c'est un gros, gros travail qu'il faut. Et ça se joue à la cueillette déjà, par le choix des... Par le choix des, par le choix des cerises, ça se joue à la cueillette. Déjà, tout commence là. Après des heures de récolte, les ouvriers doivent charrier leurs sacs jusqu'à la pesée. La récolte est une affaire de famille. Le soir, ce sont donc les plus jeunes qui courent réserver une place dans les longues files d'attente. En moyenne, un cueilleur des montagnes rapporte chaque jour l'équivalent de 60 kilos de cerises. Au Brésil, des machines récoltent 1000 fois plus car les plantations sont dans les plaines. Ici, selon la quantité qu'il rapporte, l'ouvrier déverse son sac dans l'une ou l'autre cuve. Car l'instrument de mesure n'est pas le kilo de cerises, c'est la cuve. Souvent, quand la récolte est bonne, c'est une cuve par personne. Une cuve, ça rapporte 4,50 euros. À nous quatre en famille, là, on fait deux cuves. Non, on ne gagne pas grand-chose. Juste assez pour manger, juste assez pour l'estomac. Perché au-dessus des cuves, un contremaître note les quantités de cerises de chaque ouvrier et lui délivre aussitôt un ticket. Mais ce n'est pas un bulletin de paye. Non, ça c'est en plus de la paye. Pour chaque cuve de cerises, l'ouvrier a droit à une livre de tortillas. Et c'est offert par la propriété. Les cerises rouges sont d'abord baignées avant de révéler leur précieux trésor, les grains de café. L'eau pure de la montagne arrive par là-bas et ressort ici vers la dépulpeuse. Et la dépulpeuse, bien, on va simplement enlever la chair de la cerise. C'est-à-dire qu'on va faire apparaître le grain de café, les grains de café. Retour à Huehuetenango. Eric s'apprête à goûter sa dernière découverte, un café maragogipe aux fèves géantes. Regardez ça, ce café, comme il est beau. C'est des couleurs bleu-vert. Quand il a fait son voyage pour arriver en Europe, le café, il a perdu un petit peu de cette couleur bleu-vert. Il a commencé à jaunir un tout petit peu. Alors que là, c'est vraiment c'est le rêve de tout torréfacteur d'avoir du café comme ça. C'est magnifique. Dernière opération avant la dégustation. Tota. La torréfaction. Vous l'entendez chanter là ? Le café est grillé pendant 15 à 20 minutes et mieux vaut le surveiller comme le lait sur le feu. Même s'il y a la plus belle fille du monde qui se balade devant, on ne peut pas. Il faut regarder le café. Regardez les grains. Ils prennent leur couleur robe de moine. Vous sentez cette bonne odeur de café grillé, là. Après torréfaction, le café géant a encore grossi. Il ne reste plus qu'à le moudre pour tester sa saveur. Ce café des montagnes du Guatemala a toutes les apparences d'un grand cru. On retrouve
le côté beurré que l'on sentait sur les arômes de mouture, avec à la fois derrière un côté un petit peu caramélisé qui lui donne beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur, beaucoup d'onctuosité, et puis des arômes de rose thé, des choses très belles, un petit peu florales. Eric, petit torréfacteur parisien, n'achètera que 10 sacs de ce café d'exception pour enrichir sa collection de perles noires. Qui dit millésime, dit grande cuisine. Éric Duchaussois, le trouveur de café, s'intéresse aux recettes caféinées imaginées par Michel Ross, l'un des chefs les plus titrés de la gastronomie française. Direction les cuisines d'un palace, Place Vendôme à Paris. Au menu, noix de Saint-Jacques en croûte de café. Richard, la poudre de café, elle est où? Je vais faire une petite croûte, en fait, avec du beurre, de la mie de pain. Et du café mocha d'Éthiopie, voilà. Un grand café léger et donc parfumé. Faut bien doser, quoi. Tu sens déjà la poudre d'amande, c'est génial. Ouais. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, je vais rajouter un tout petit peu de zeste d'orange. C'est de la peau d'orange. On va étaler. Ah, ça a déjà un parfum. Ah oui, non mais c'est assez. On va le mettre au froid pour que ça durcisse, pour qu'après je puisse couper les... En fait, après, l'idée, c'est de faire des petits ronds qui ont le diamètre de la Saint-Jacques. Qui vont aller sur la Saint-Jacques, d'accord. Tiens, vous mettez ça au congélateur. Pendant que la croûte de café durcit au congélateur, les noix de Saint-Jacques sont légèrement rissolées et les endives à peine caramélisées. Alors, on est parti. Donc toi, là. Ah ben voilà. Il faut faire attention de ne pas trop les cuire, les Saint-Jacques, parce qu'on va les passer un petit peu sur la salamande. Donc ça va un petit peu donner un petit coup de cuisson. Donc elles sont vraiment, il faut qu'elles restent translucides. Et là, ça va faire comme un biscuit. Voilà, comme un petit biscuit croustillant dessus. Hein. Alors là, elles ont leur petit chapeau. Voilà, c'est ça, c'est un peu... Exactement. On aurait pu appeler... Tiens, on va appeler ça comme ça. Hein? Dernière touche à ces noix de Saint-Jacques et à leur chapeau de café. Hein? Michel Ross est plutôt convaincu par ce nouveau plat. J'essaie toujours dans ma cuisine d'amener, bien sûr, le salé, le sucré, l'acidité, mais l'amère, c'est très délicat. Il faut vraiment savoir doser. Je trouve qu'avec le café, on y arrive. En tout cas, je trouve qu'on y arrive vraiment. Et au moment des Saint-Jacques, il sera ou au menu ou à un moment donné, il sera sur la carte. Ça, c'est sûr. C'est validé. Le moelleux à l'intérieur, regarde ça. Après un bon repas, rien ne vaut un bon café. Et voilà, c'est l'heure de refermer ce magazine. Merci d'être resté à notre compagnie et merci de votre fidélité.